faire une ovation. Alors là, je vais pas vous lâcher parce que il faut pas qu'on ait les deux qui partent. Tête de série numéro 1, membre de l'équipe de France, je vous l'ai pas dit, championne d'Europe en titre 2015. Face à qui d'ailleurs? Face à qui? Face à nous. Merci. Allez. Numéro 26 mondial, tête de série numéro 1, Grégoire Marche. Position de style ce soir entre ces deux joueurs. Grégoire va affronter un joueur redoutable, expérimenté, de 27 ans, qui est déjà bien connu sur le circuit international. Il est anglais, tête de série numéro 4, 53e joueur mondial, Eddie Charlton. Allez, comme je vous le disais, Grégoire, dans son style connu pour les non-néophytes, pour les connaisseurs du squash en tout cas, un joueur qui est très tonique, va très très vite sur les appuis, sur l'intensité qu'il imprime à son adversaire. Il prend la gorge, comme on dit, il vous lâche plus. Donc il faut avoir la condition. Hein. En face de lui, on a un joueur qui est très technique, très expérimenté, je vous le disais, qui a déjà 5 tournois internationaux à son actif, dont Angers d'ailleurs l'année dernière. Et qui a un style assez classique anglais, hein. C'est un joueur qui n'a pas de fioritures, qui fait très peu de fautes, et ça oblige à son adversaire à être vraiment très sérieux. Donc on va vraiment avoir un énorme match encore ce soir entre tous les deux. Je vous propose, pour ceux qui nous ont rejoints, de refaire un petit point, si vous le voulez bien, pour bien comprendre comment on marque des points et comment le squash fonctionne. Si vous voulez, hein, moi je dis ça. Ouais, ça peut fonctionner un peu. Bon. Règle du jeu du squash, c'est assez facile. On engage pour le service soit à droite, soit à gauche dans un des pieds minimum du petit carré de service que vous avez sur les côtés. La balle va arriver directement au-dessus de la ligne bleue sur le mur frontal, d'accord, et va donc finir sa trajectoire au premier rebond dans le grand carré opposé. Une fois que c'est fait, vous pouvez jouer où vous voulez. Bien évidemment, la balle doit arriver sur le mur frontal, directement ou indirectement. Un rebond, volé autorisé, c'est même fortement conseillé à ce niveau-là pour accélérer le jeu et pour embêter l'adversaire. La plaque noire que vous voyez devant vous sur le mur frontal est la limite basse hein, du jeu, puisque quand vous tapez dedans, vous entendez un « cling », c'est faute. Et elle est un petit peu relevée d'ailleurs sur le côté, donc ça indique une faute. Vous ne pouvez pas jouer sur cette ligne-là. Même chose pour le out, quand l'arbitre vous dit out, c'est que la balle a touché la ligne ou a été au-dessus de la ligne bleue. Au-delà de la vitre, c'est également faute. 11 points gagnants direct en 3 jeux gagnants. S'il y a 10 partout, il y a un tie-break. 2 points d'écart, comme le dira l'arbitre à ce moment-là. Vous allez voir les joueurs qui reviennent se replacer au T, hein, au centre du cours, on fera un petit point tout à l'heure. Et puis vous avez de temps en temps des interférences, donc le joueur qui peut être gêné hein, sur un coup peut demander un let à l'arbitre, puisqu'il estime qu'il n'a pas pu jouer son coup à 100% s'il est gêné dans la préparation de son geste ou dans son déplacement. À ce moment-là, l'arbitre va juger s'il y a vraiment interférence, s'il a vraiment été gêné. Dans ces cas-là, il va remettre le point. S'il estime que ce n'est pas le cas, il peut lui donner un no let, le sanctionner. Dans ces cas-là, le joueur qui demande perd le point directement et rend la balle à son adversaire.
Dans ces cas-là, il n'a pas été gêné réellement ou l'interférence a été dépassée. Le cas ultime, le joueur demande un led parce que la balle est revenue le plus souvent sur son adversaire ou peut être dangereux dans sa frappe de balle ou dans son swing, tout simplement. Auquel cas, le point est donné au demandeur par un stroke. Pour juger, messieurs Palmieri, messieurs Podgorsek, messieurs Jacob à l'arbitrage, tous les trois que vous voyez au milieu du gradin, un grand bravo à eux parce qu'ils font un travail énorme. Tout comme ces messieurs, on a les petits bonhommes verts, on a les petits bonhommes oranges, eh ben ils prennent des photos à longueur de temps, mais ils en font des super belles. Bravo à eux, merci. Merci, merci. Allez, on va faire du bruit, comme j'ai dit tout à l'heure, je contrôle toutes les mains. Il y en a peut-être à peu près 1000. Je veux les voir rouges, violettes. Il ne faut pas qu'ils sortent. On leur courage. Certains sont pour le rugby, donc les négociations confrontées France-Angleterre, ils apprécient. Allez, Grégoire, bon match. Merci à lui. Allez. Squash Open semi-final match between Grégoire Marsh of France to serve and Danny Charlton of England to receive. Best of five games. Love all. Hand out, 1-0. Thank you.
not up. Yes, sir. 5-1. Yes, land. 5-1. Yes, sir. 6-1.
Marsh, 7-1. Marshy, it's one game to have. Bravo. Thank you.
C'est juste ça. Bon, vous êtes. Hand out, 1-2. Behind the front wall, please make sure your focus beam is turned off as well. 4-1. About 3-5. Out. 4-5.
Yes, Lang. 4-5. And out, 6-4. Seven. Thank you.
Hand out 6-8.
Hey, what? Thank you. Hand out 10-9, game ball. Stroke to Marsh. Hand out 10-0. Player must win by 2 points. Apprennent à faire le ménage à ton fils. Thank you.
good. I can see if he's in front of the board. It's our job to. Hand out 13-12. Game ball. Yes, lad. 3-2.
Right side, yes. Stroke to Marsh. Hand out 4-3. Yes, I did. I could have played it. 8-4. Sorry? Thank you.
out 6 times. Allez, Grégoire. Guess that. Decision is the left, gentlemen. So please play on. Substantial interference. Possible to play the shot. 6-9. Yes, from the right, please. Hand out 10-6. Game ball.